Hey, bon matin tout le monde, à tous ceux qui se connectent encore ce matin, ceux qui sont fidèles au poste et qui continuent avec nous l'étude de la lettre aux Philippiens. Et cette semaine, on a commencé le troisième chapitre. Mais si peut-être que t'es tombé sur la vidéo et que t'as pas suivi avec nous les autres études auparavant, écoute, hey, c'est pas grave. Bienvenue à toi ce matin. Je me présente, mon nom est Jasmin et je suis un des pasteurs à Axe 21 sur le campus de Sherbrooke. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi ce matin dans ma demeure alors qu'on va faire une petite étude ensemble. Et comme à l'habituel, on prend notre petit café matinal. Et en tout cas, moi je vous le dis, moi mon café je le prends noir. Parce que je pense que les vrais hommes et femmes de Dieu prennent leur café noir. Et c'est que sinon ça enlève la saveur du café quand on rajoute de la crème, du lait ou du sucre. Donc, on veut les choses vraies, authentiques. Donc, si t'es quelqu'un d'authentique et vrai, tu devrais aimer ton café d'une façon authentique et vraie. Donc, santé tout le monde, bonne gorgée. Toujours dans ma tasse, rendez-vous. Oh, il est frais fait, il est très chaud aussi. Et également, toujours accompagné. Non, là ce matin, j'ai pas de pain aux bananes, mais j'ai un muffin aux framboises et avec un petit saupoudré de cannelle et de cassonade sur le dessus. Wow! Puis non. Je sais que tu te dis à la maison. La semaine, t'es allé acheter ça quelque part. Non! Tout moi qui a fait ça. C'est un gars de même, moi. Quand même pas pire. Donc, encore une fois, une autre gorgée pour passer ça, parce que c'est un peu sec, t'sais. Donc, je te laisse le temps d'aller chercher ta bible, ton cahier de notes, ton café, ton muffin, ton déjeuner, peu importe. Et on va commencer ça ensemble. Là, tu disais, Jasmin, je suis vraiment en train de te voir boire. Hey, on est en famille, OK? On est en famille, je veux que vous faites partie de mon quotidien, parce que moi, je m'ennuie de vous, je m'ennuie de vous voir et j'espère que vous aussi, vous vous ennuyez de nous voir. Je me suis dit, quoi de mieux que durant ces dévotions-là, alors qu'on se voit semaine après semaine, que vous apprenez à mieux nous connaître. Donc, voici pourquoi je vous ai dit ce matin, mon café, je l'aime noir. Donc, un jour, si tu veux m'en apporter un noir, c'est parfait. Sauf ceux du McDo et du Tim Hortons, parce que ça, sont pas buvables. Moi, McDo, c'est moins pire, là. Mais Tim Hortons, jamais noir. Jamais noir. Tu vas mourir. OK? Bref, je suis pas ici pour parler de ça. Je suis ici pour parler de Philippiens 3. Et ce matin, moi, je me concentre sur les versets 4 à 7. Donc, je vais les lire et on va commencer ensemble. Donc, ça nous dit « Et pourtant, moi aussi, je pourrais placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le suis bien davantage. » J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Wow! Donc, avant d'aller plus loin, je veux vous encourager toujours à commenter. Si t'es là avec moi, dis « Amen », OK? Si t'es là, écris dans les commentaires « Amen ». Je veux que vous puissiez commenter, je veux que vous puissiez partager parce que c'est pas parce qu'on est à la distance qu'on n'est pas, on n'est pas là ensemble, en communauté, à vivre ensemble. Donc, si t'es là, écris « Amen ». Faut que les gens voient qu'il est écrit « Amen » dans les commentaires, OK? Donc, quel texte incroyable qu'on va étudier ce matin. Et lorsque je lisais ce passage-là, ça me faisait penser à une histoire. Lors de la Première Guerre mondiale, il y avait un général qui s'appelait Général Pershing. Pershing, qui lui était en Europe et il voulait organiser un défilé à Paris pour pouvoir célébrer les forces militaires. Et c'est un général
dans le fond, américain. Puis, il voulait organiser, c'est ça, une parade à Paris. Donc, il envoie un message à toutes ses troupes et il dit « Je recherche des hommes pour faire partie de la parade. » Il y a deux critères à pouvoir remplir. Le premier critère, c'est que vous devez avoir un dossier vierge, ce qui veut dire que vous ne devez pas avoir déjà fait de la prison ou été devant le juge ou quoi que ce soit. Donc, vous devez être une bonne personne, mais vous devez être correct, pas avoir de dossier criminel ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, vous devez mesurer plus de 186 cm. 186 cm et plus. Donc, il envoie ça à ses troupes. Et là, les troupes reçoivent ça. Et là, l'histoire nous raconte que les soldats commençaient à se mesurer les uns avec les autres. Mais la plupart des soldats ne savaient pas ce que représentait 186 cm. Et là, c'est quoi 186 cm? On n'a pas de tape à mesurer. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils commençaient à se mesurer les uns avec les autres. Donc, il y en a par exemple qu'ils se mettaient dos à dos, puis ils regardaient, ok, toi t'es plus grand que lui, t'es plus grand que lui. Puis là, ils commençaient à dire, bon, ben moi je vais y aller à la parade. Puis quand ils voyaient quelqu'un plus petit qu'eux, ils disaient, ben, je vais penser à toi quand je vais être à Paris, mais malheureusement, ça ne va pas être à la parade. Puis ils commençaient à se mesurer, mais sans savoir c'était quoi la mesure. Et quelques jours plus tard, il y a un officier qui arrive qui dit, bon, ben je viens chercher les soldats. Donc, mais tout le monde était là, ouais, mais on sait pas c'est quoi la mesure. Donc, il a pris un crayon ou un pinceau, puis il a mis un trait sur un mur. Il a dit, ça, c'est 186 cm. Et les soldats allaient à la ligne, puis il y a des gens qui arrivaient, qui voyaient la marque, et qui se disaient, ah oh non, c'est sûr que je suis pas qualifié pour ça, je pourrais pas y aller, je suis trop petit. Il y en a d'autres qui voulaient s'asseoir, qui étaient là, oh non, c'est sûr, j'étais assez grand, puis finalement, ils arrivaient à quelques poils près, et qui n'étaient pas acceptés. Et il y en a qui réussissaient à franchir la barre. Donc, eux autres, ils regardaient la barre, ils étaient là, moi, je vais être capable de franchir la barre, tout ça. Puis la manière de pouvoir s'évaluer, c'est qu'ils regardaient aux autres, ils disaient, non, mais moi, je suis plus grand que toi. Moi, je suis plus grand que toi, je vais réussir à dépasser cette barre-là, comparé à toi qui la dépasse pas. Et ça me faisait un peu penser que, parfois, même dans l'église, mais même en dehors de l'église, on a tendance à se comparer continuellement aux autres, à savoir qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Et oh non, mais moi, je suis plus grand que toi. Check ça, moi, je suis plus grand que toi. Puis là, on parle pas nécessairement en grandeur, mais on parle en caractère, en spiritualité, en force, qualité, don, talent. On dit, ah, mais moi, je suis bien plus grand que cette personne-là. Regarde, moi, j'ai pas fait telle niaiserie, ou avec les bonnes actions, quoi que ce soit. Moi, je suis une bonne personne. Moi, je suis une bonne personne comparée à cette personne-là. Et qu'est-ce que ça nous mène à faire? C'est qu'on se compare les uns avec les autres. Et même dans notre société aujourd'hui, on a tendance à dire, tu demandes à une personne, t'es-tu une bonne personne? fais l'exercice. Va demander à quelqu'un de ton entourage, de ta famille, peu importe un collègue de travail, t'es-tu une bonne personne? Ils vont dire, ben ouais, je suis une bonne personne. Puis ils vont dire, ok, mais pourquoi? Demande-leur, pourquoi t'es une bonne personne? Ben, et à ce moment-là, la plupart du temps, c'est qu'ils vont se mettre à se comparer. Non, mais moi, je suis pas, je suis pas quelqu'un d'agressif, tu sais, comme le voisin. Puis peut-être qu'ils vont pas le dire, mais ils vont le penser. Non, mais moi, j'ai tué personne. Ok, tu te compares à quelqu'un qui a tué une personne. Ok, bon, mais moi, j'ai pas fait d'agression, j'ai pas volé. Je respecte mes enfants, j'aime ma femme, tu sais, comme. J'aime ma femme, tu sais, oui, des fois, je crie après, puis je suis un peu impatient, mais tu sais, comme, je vais pas la frapper, ou je vais pas, comme, tu sais, je suis une bonne personne, tu sais, comme moi, je vais respecter mon patron, c'est sûr que des fois, je vais ajouter quelques heures, tu sais, je vais ajouter des fois quelques heures que j'ai pas travaillé, ou tu sais, comme, je vais prendre des pauses plus longues, mais tu sais, comme, je suis quand même une bonne personne, là, je vole pas vraiment, tu sais, je vole pas vraiment, mais je vais pas tout déclarer durant mes impôts, mais comme, je suis une bonne personne, là. Et souvent, c'est qu'on regarde à ceux qui ont fait pire que nous, ou qu'on juge qui ont fait pire que nous, pour se comparer à savoir que moi, je suis une bonne personne. Et souvent, on va regarder les 10 commandements, et surtout quand on est chrétien, « Ah, mais moi, j'ai pas volé, j'ai pas tué, tu sais, comme j'aime mon prochain, tout ça. » Mais la réalité, c'est que lorsque Dieu est arrivé, il a aussi mis la barre encore plus haute. À savoir, est-ce que tu es capable de te qualifier pour cette barre-là? Donc, OK, t'as pas tué ton prochain, mais dès que tu dis des paroles blasphématoires contre lui, ou que tu le dénigres, ou tu l'abaisses, c'est comme si tu l'avais tué. Wow, là, ça ramène la barre encore plus haute, tu sais. Et souvent, on regarde les 10 commandements et on dit « Non, mais tu sais, j'en ai pas brisé un, ou tu sais, j'en ai brisé peut-être un ou deux, mais pas toutes. » Mais la réalité, c'est comme un bateau qui est enchaîné après un quai, mais fait juste couper un maillon de la chaîne de 10 maillons. Même s'il se coupe juste un maillon, la chaîne est brisée, et par la suite, le bateau va juste partir à la dérive. Et c'est un peu le même principe avec nous. On peut regarder à plein de péchés qu'on n'a pas faits.
Mais il suffit de un péché et on se qualifie pas, puis notre vie commence à aller à la dérive. Et c'est ça qui se passe souvent avec Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et tout le monde a péché. Donc personne n'est une bonne personne en fait. Il n'y a pas une personne qui peut dire « Moi, je suis une bonne personne. » Non, on est tous une mauvaise personne parce qu'on pêche continuellement. Et tu dis, non, mais je suis quand même une bonne personne comparée à tout le monde. OK, mais voici le standard de Dieu dans Matthieu 5, 48. Jésus dit, soyez parfaits car mon Père au ciel est parfait. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. What? Soyez parfaits comme mon Père est parfait. On est appelé à être parfait comme Dieu est parfait. À ce moment-là, si tu te qualifies, appelle-moi parce que je vais apprendre à te connaître parce que moi, je me qualifie pas. Moi, je me qualifie pas dans cette perfection. Et tous ceux qui me connaissent disent « Amen, parfait, parfait. » Mais, et c'est là qu'il y a un problème. Et trop souvent, même dans notre vie, j'entends des gens parler, même juste des commentaires qu'on dit « Hey, t'as-tu vu telle personne? Hey, si Dieu peut sauver cette personne-là, wow! » Si Dieu peut sauver cette personne-là, il peut vraiment sauver tout le monde. Ah non, mais j'aurais jamais cru que Dieu aurait pu sauver, ou que cette personne-là aurait pu être sauvée, wow, avec tout ce qu'elle a fait. Regarde, cette personne-là, elle a commis un meurtre, cette personne-là s'est séparée, cette personne-là comme, a vraiment volé, cette personne-là était dans l'enfer de la drogue, cette personne-là, puis là. Mais, et souvent, on utilise des paroles comme ça, et on pense qu'on veut glorifier Dieu, puis wow, si cette personne-là est sauvée, tout le monde peut être sauvé. Mais où est-ce que ça apporte un problème? C'est que ça crée un classement de péché. C'est que lorsqu'on utilise « si Dieu peut sauver cette personne-là », c'est que ça apporte un aspect qu'on classe des péchés. On classe, OK, il y a un petit péché, petit moyen péché, petit gros péché, un moyen petit péché, un moyen péché, un moyen gros péché, un gros péché, un petit gros péché, puis un méga péché, puis un méga gros péché. Mais la réalité, c'est que Jésus et Dieu n'a jamais instauré un classement de péché. Dieu, pour lui, tous les péchés sont égaux. Donc, tous les péchés n'ont pas la même conséquence, mais tous les péchés sont égaux. Donc, mais nous, on apporte un classement de péchés pour savoir est-ce qu'on est assez une bonne personne. Est-ce que je me qualifie plus que cette personne-là? Et ça, c'est un problème qui règne encore aujourd'hui et qui régnait à l'église de Philippe au moment où que Paul écrit sa lettre. Alors que Il y a des pharisiens qui étaient là, puis il y a des gens qui essayaient d'instaurer une nouvelle manière de penser qui voulait ajouter au christianisme, qui voulait ajouter à Jésus. OK, non, mais c'est bon que tu crois en Jésus, c'est bon que tu mettes ta foi en Jésus, c'est bon que tu crois qu'il est le sauveur, mais, faut que tu fasses ça aussi pour te qualifier. Et là, il y avait plein d'hérésies qui commençaient à émaner dû à l'orgueil de plusieurs hommes religieux, et sûrement des femmes religieuses à ce moment-là aussi, qui voulaient continuer à prôner ça, mais que, surtout les hommes religieux, parce qu'à ce moment-là, c'est les hommes qui étaient dans des positions d'autorité, mais, à ce moment-là, les gens commençaient à s'élever par l'orgueil, par leurs actions, par leurs bonnes œuvres, par leurs dons, leurs talents, leurs capacités, puis disaient, mais moi, je suis là, puis toi, t'es là. Et ça, c'est des hérésies qui régnaient à ce moment-là, qui règnent encore aujourd'hui, et voici qu'est-ce que Paul peut nous enseigner ce matin à travers ces hérésies-là. Et voici une phrase clé que je veux vous dire ce matin, alors qu'on commence, alors qu'on a lu le verset 4 et 7, ça dit « Les chrétiens, les vrais chrétiens, considèrent tout mérite humain comme une perte afin de gagner Christ par la foi. » Je vais répéter. « Les vrais chrétiens considèrent tout mérite humain comme une perte afin de gagner Christ par la foi. » Et Paul avait compris qu'un jour, il était un d'eux. Paul était cet homme à un moment donné qui se glorifiait par ses œuvres, qui se glorifiait en étant comme celui qui se qualifie au standard de Dieu. Mais à un moment donné, il y a eu une... Puis la Bible nous raconte que Paul a eu une transformation radicale alors qu'il était sur le chemin de Damas et qu'il a rencontré Dieu, a rencontré Jésus. Et à ce moment-là, il a vécu une transformation puis il a compris qu'est-ce que c'était le vrai christianisme. Et c'est là que je veux qu'on aille parce que Paul a vécu cette transformation-là et je pense que plusieurs d'entre nous, on est appelés à vivre cette transformation-là, mais également au quotidien. Parce que souvent, notre orgueil et ces hérésies-là peuvent revenir très rapidement. Premièrement, il faut être capable de mettre de côté les mérites hérités et les mérites qui sont acquis. OK? Voici ce que je veux dire. Les mérites hérités. Comme si je regarde ici au verset 5. Donc, mais
Paul, il commence le passage, il dit « Ok, si vous voulez vous glorifier, si vous voulez dire « Ben moi je l'ai l'affaire, regardez à moi. » Moi, je peux dire que... Puis Paul, il met au défi chacun des pharisiens, chacune des personnes de l'église de Philippe, il dit « Ok, tu veux te vanter? Ok, regarde si t'es à ma hauteur à moi avant. Ok? Parce que moi, je remplis tous les standards. » Il commence à dire, verset 5, « J'ai été circoncis le huitième jour, je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. » Il est en train de dire, « Ok, voici ce que j'ai hérité. » Et moi, j'ai hérité que je suis dans la famille de Dieu, je suis vraiment... il y a eu la circoncision, mais il dit, « Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, je fais partie de la tribu, de la famille vraiment de Dieu. » Et ce qui amène à la circoncision, j'ai été circoncisé le huitième jour. Et à ce moment-là, c'était un signe d'approbation de dire, ben gars, moi j'ai été circoncisé le huitième jour comme qui était supposé, comme selon la loi. Et j'ai respecté la loi et c'est selon mon héritage. Et une des hérésies qui roulait dans ce temps-là, c'est que les gens donnaient leur vie à Christ. Et s'ils n'étaient pas juifs, s'ils n'étaient pas comme israélites ou quoi que ce soit, les pharisiens arrivaient et disaient, ok, mais si tu veux vraiment être sauvé, si tu veux vraiment être aimé de Dieu puis accepté au ciel plus tard, ben voici ce que tu dois faire. Tu dois te faire circoncis mais présentement pour faire partie de notre de la famille chrétienne. Tu dois te faire circoncis. Et ça, c'est devenu comme un standard rajouté au sacrifice de Christ. Et là, mais c'était une hérésie complètement. Mais Paul fait comme, hey, pour vrai, comme non, ça marche pas de même. Si y a quelqu'un qui se qualifie, c'est moi qui me qualifie. Ok, vous voulez rajouter la circoncision? Moi, j'ai été circoncis le huitième jour selon la loi de Dieu le prescrit. Puis il continue comme ça. Mais nous, des fois, on a des choses irritées comme ça, puis qu'on prend pour acquis. Ah, mais je suis grandi dans une famille chrétienne. Tu sais, fait que moi, je suis chrétien, hein? Je suis une bonne personne. Hein? J'ai grandi dans une famille chrétienne, ça a toujours bien été. Tu sais, je n'ai pas commis tant de péchés que ça. Tu sais, j'avais une bonne famille. Non, mais moi, je me suis fait baptiser. Puis il y a des gens que peut-être un jour, tu t'es fait baptiser, puis tu penses que ça te qualifie. Ça te qualifie de dire, ben non, mais je suis une bonne personne, je suis qualifié aux yeux de Dieu, tu sais, j'étais allé à l'église toute ma jeunesse, j'étais allé même à la zone enfant, ou à l'éducation chrétienne, ou le dimanche des enfants, là, je sais pas comment ça s'appelle, l'école du dimanche, et par la suite, j'ai été à la jeunesse, puis je me suis fait baptiser, puis tu sais, comme moi, je connais Dieu, puis je crois en Dieu, là, c'est fait que je sais que je fais partie de la famille de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Puis là, on pense qu'on prend des choses que j'ai fait comme ça, ou moi, je suis dans une famille chrétienne, j'ai connu Dieu, je connais la Bible, je connais l'histoire de la Bible, donc je me qualifie pour être quand même une bonne personne, plus que mon voisin présentement, là. Parce que moi, je le sais que Dieu existe, puis tout ça, mais comme, ça n'a pas vraiment plus d'importance, mais je le vis dans ma vie, tu sais. Il y a des choses, des fois, qu'on prend pour acquis comme ça, qui nous ont été transmis, hérités, puis on se dit, bon, ben, ça fait de moi une meilleure personne, puis que je me qualifie bien plus que d'autres personnes. Il y en a que c'est peut-être les connaissances ou les mérites acquises. Comme Paul, il continue au verset 5, mais il dit, « Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. » Les pharisiens, à ce moment-là, c'est comme les pasteurs d'aujourd'hui, mais dans ce temps-là. Mais c'était les hommes de Dieu. C'était les gens qui étaient comme... Les gens regardaient aux pharisiens comme ça, c'est les hommes de Dieu. C'est les hommes qui sont parfaits. Personne n'est capable d'arriver à leur standard parce qu'ils respectent les lois de la Bible. Ils connaissent la Bible. Puis Dieu aime les pharisiens. Pas nous, mais les pharisiens, ça, c'est les hommes de Dieu. Puis il dit, moi, je faisais partie des pharisiens. Il dit, quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. À quel point qu'il était convaincu. Il persécutait l'Église tellement qu'il était convaincu de tout ce qu'il faisait, puis qu'il connaissait la Bible. Il dit non, c'est ceux qui font faux, puis ceux qui sont à côté de la traque, on va vraiment les persécuter. Puis il dit, face aux exigences, j'ai l'impression que ce mot-là ce matin, exigences de la loi, j'étais sans reproche. Et sans reproche, hey, dans ce temps-là, là, respecter la loi quand t'étais un pharisien, là, c'était genre un autre coche au-dessus. Là. Par exemple, la Bible nous dit qu'on on doit donner la dîme de nos avoirs ou des choses qu'on a. Eux autres, ils donnaient de la dîme dans leur épice de table. Ok, c'est comme si j'arrivais ici et je prendrais mes épices de Montréal. Puis là, je prendrais 10% des épices de Montréal que j'ai. Puis là, je les apporterais à Axe 21 au bureau. Ok, je prendrais 10% de mon sel. Puis je l'amènerais tout ce que j'ai. Je prends 10% et je le donne à Dieu, je le donne à l'Église. Imagine. Et même, dans ce temps-là, juste un exemple comme ça, juste pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est fou, là. Dans ce temps-là, respecter le sabbat était très, 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 très important. Et respecter le sabbat, il fallait pas que tu travailles ou tu fasses des actions comme si tu travaillais. Donc, c'est vraiment un jour de repos, le sabbat. Et à ce moment-là, si par exemple, il y avait de la terre,
par terre, et si tu prenais une chaise et tu reculais dans ta chaise et que ton barreau de chaise allait dans la terre et creusait dans la terre, tu pouvais être accusé de travailler parce que c'est comme si tu faisais, tu prenais une pelle puis tu creusais dans la terre. Imagine ça à quel point c'est éveillé la loi là. Et dans ce temps-là, les gens rajoutaient plein de lois comme ça puis plein de choses comme ça. Et puis les pharisiens, eux, respectaient ces commandements-là, ces lois-là. C'est assez fou là. Mais bref, nous on peut être là et dire, mais moi les connaissances, je les ai. Paul est là, il dit, moi les connaissances, je le savais. Dans ce temps-là, les pharisiens, on nous raconte comment les pharisiens devaient absolument connaître la Pentateuque par cœur. La Pentateuque, c'est quoi? C'est les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible, les pharisiens devaient les connaître par cœur. Il dit, par la loi, là, moi les connaissances, je les avais. Puis toute la loi, j'étais sans reproche, je respectais la loi, j'étais un homme qui était selon Dieu. C'est ce qu'il pensait, comme qu'est-ce qu'il dit. Mais nous, des fois, on peut avoir des connaissances aussi, puis se vanter, se dire, ouais, mais moi, comparé à bien des gens à l'église ou bien des gens à l'extérieur, moi, je connais ma Bible. Nombre de fois que j'entends des chrétiens commencer à se comparer le nombre de fois qu'ils ont lu la Bible. Non, mais moi, j'ai lu la Bible 3 fois, là. Moi, j'ai lu la Bible, tu pourrais, à chaque année, je lis au moins la Bible 1 fois au complet. Puis des fois, même, ça arrive que des années, je la lis comme 2 fois, là. Puis ils commencent à se vanter constamment. Ouais, mais moi je suis allé à l'école biblique. Ouais, mais ça fait pas de toi quelqu'un de meilleur aux yeux des autres parce que t'es allé à l'école biblique ou parce que t'es allé, peu importe, à Sherbrooke ici, on a Bethel ou on a des jeunesses en mission qui est très reconnue également, puis on a d'autres écoles bibliques dans plein mouvement à l'université. Ouais, mais moi, je suis allé à l'université, puis ouais, mais moi, j'ai étudié. Ouais, mais ça fait pas de toi quelqu'un. Mais souvent, on a tendance à prendre ces connaissances-là puis dire, mais moi, je suis une meilleure personne. Moi, là, comme, je regarde les autres, là, puis je suis là, puis les bébés dans la foi, là. Hey! Les autres sont là, ils n'ont pas la connaissance que j'ai. Et là, ça devient très, très, très problématique. Et Paul était sincèrement zélé, il était engagé, mais complètement dans l'erreur. Parce qu'il dit même, toutes ces choses, au verset 7, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Il dit, toutes ces choses, la connaissance, mon héritage, tout ce que je faisais, j'étais un homme de Dieu, j'étais celui, ça n'a rien à voir depuis que j'ai rencontré Christ. Et j'aimerais vous dire ce matin, faut voir notre fierté comme une perte. De quoi tu peux te rendre fier aux yeux de Dieu? Souvent, on a des choses, puis on a toutes des choses qu'on a l'impression qu'on fait bien, puis qu'on est content, puis qu'on a une fierté en dedans de nous de dire, ouais, devant Dieu, je suis fier de ça. D'une manière ou d'une autre, on a tous quelque chose. Qu'est-ce que tu as tendance à voir comme une fierté? Qu'est-ce que tu as tendance à voir comme une fierté? Parce que tu dois voir ça comme une perte. Et pour t'aider à découvrir, c'est... Avec quoi tu as tendance à t'élever comparé aux autres? Avec quoi tu as tendance à t'élever comparé aux autres? Et je pense qu'il faut se repentir de ça ce matin. Est-ce qu'on a tendance à regarder des gens de haut puis à faire comme « moi j'allais la faire ». Puis, il y a une phrase à un moment qu'un pasteur a dit qui m'a vraiment touché, c'est « Ne juge pas le péché de quelqu'un d'autre parce qu'il pêche différemment que toi. » Ne juge pas le péché de quelqu'un d'autre parce qu'il pêche différemment que toi. Et ça m'a tellement fracassé parce que c'est vrai qu'on a tendance tellement à pointer le doigt, à pointer du doigt quelqu'un pour faire qu'on check son péché. Mais la réalité, c'est qu'il fait juste pécher d'une autre manière que toi, mais parce que toi, tu aussi, tu pêches et on pourrait te pointer du doigt. Avec quoi tu as tendance à t'élever? Vois ça comme une perte. Quand tu connais Christ, toutes ces choses, cette fierté-là, qu'est-ce qui peut te rendre, qui peut t'élever, qui peut te... Tu vois ça comme une perte. Et... Toutes ces choses constituent à mes yeux, verset 7, un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. À cause de Christ. Et comment qu'on peut voir les choses comme une perte lorsqu'on rencontre Christ? C'est premièrement avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Avec Christ, rencontrer personnellement Christ. C'est pas la foi de tes parents, c'est pas la foi de tes amis, tes collègues de travail, ça doit être ta foi personnelle, ta relation personnelle avec Jésus. Et même toi, t'es un mari, t'es une femme. Certains d'entre vous, là, vous ne serez même pas à l'église si ce n'était pas votre mari ou votre femme présentement qui vous tire après. Et mais présentement, vous prenez ça pour acquis, vous dites, mais moi, je vais quand même à l'église, je suis une bonne personne. Non, ça n'a rien à voir. Focus à développer une relation personnelle avec Jésus. Et deuxièmement, faut que tu t'identifies à Christ. Parce que tout doit pointer à Jésus et non à toi. Tu ne peux rien ajouter. Sinon, c'est comme si tu commences à t'élever avec une fierté devant les autres. Certains standards que tu as, certains trucs que tu as, ton orgueil t'élève.
C'est comme si tu étais en train d'ajouter au sacrifice de Christ. De dire, mais pour être accepté de Dieu, je vais être encore plus accepté de Dieu. Et moi, je suis accepté plus de Dieu parce que j'ai fait telle affaire ou parce que je fais pas telle affaire. Mais à ce moment-là, ça mène le regard sur toi et non sur Christ. Mais moi, je dois m'identifier sur Christ parce qu'il n'y a rien que je peux faire devant Dieu pour être une meilleure ou une bonne personne ou pour être une plus grande personne. Si ce n'est qu'on voit seulement Christ en moi. Et lorsque je veux me retrouver devant Dieu, je veux pas arriver devant Dieu et faire comme « Dieu, regarde ce que j'ai fait, puis ça, puis j'ai accompli telle affaire, puis les connaissances que j'ai. » Non, je veux dire « Dieu, regarde à Christ. » Parce que moi, il y a rien que je peux faire qui peut arriver au standard de Christ. Et je veux que Dieu, lorsqu'il va me voir, lorsque je vais arriver devant lui, qu'il va dire « Wow, t'as donné la gloire à Christ. Il y a rien que tu peux faire que tu t'es élevé. Christ est glorifié en toi. » Et on doit s'identifier au sacrifice de dire « Je peux rien faire. Je m'associe seulement au sacrifice de Christ à la croix. » Donc, pour terminer, c'était très, très simple ce matin, mais si facile des fois de passer à côté de la traque. Est-ce qu'il y a des choses avec quoi tu as tendance à t'élever? Si oui, il faut se repentir ce matin. Est-ce que tu as tendance des fois à t'enorgueillir face à les connaissances, face à les choses que tu as faites dans l'église, ton poste dans l'église? Est-ce que tu as tendance à t'enorgueillir avec ça? Si oui, ce matin, on doit se repentir. Et j'aimerais prier pour nous ce matin. Père, je veux premièrement venir devant toi pour te remercier pour le sacrifice de Christ à la croix. Et je veux te demander pardon pour toutes les fois où j'ai tendance à m'enorgueillir par mes connaissances, par mes capacités, par les choses que j'ai fait. Ou parfois, pour toutes les fois où j'ai tendance à regarder les autres de haut et à penser que moi je suis meilleur qu'eux. Seigneur, révèle-moi mon péché. Révèle-moi mon orgueil. Mais rends-moi plus humble. Rends-moi encore plus humble. Rends-nous plus humbles ce matin. Révèle-nous notre péché. Révèle-nous notre orgueil. Seigneur, viens briser notre orgueil dans le nom de Jésus ce matin. Et on ne veut pas s'enorgueillir. On ne veut pas se voir plus haut. On ne veut pas penser qu'on est meilleur que d'autres personnes. Mais on veut apprendre à connaître et se mettre et s'identifier à ce que Christ a fait à la croix. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut rajouter à ça. Parce que Christ a tout fait, a tout accompli. Christ a tout fait et a tout accompli parfaitement. Donc, Père, je te demande pardon pour toutes les fois qu'on peut s'enorgueillir. Et on veut se repentir. Et on veut se voir au même piédestal que tout le monde. Un simple pécheur, mais restauré et sauvé par Christ, jour après jour. Et qui s'identifie et qui recherche à être en relation avec Christ, jour après jour. Donc, merci, Père, de nous révéler ça dans nos cœurs ce matin. Et je te prie vraiment que... qu'on puisse repartir peut-être cette journée-ci avec une perspective différente de notre vie, mais même par rapport aux vies des gens autour de nous. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Yes, hey, merci de vous avoir connecté encore ce matin avec nous. J'espère que la dévotion a pu vous parler. J'essaie de moins en moins mettre super gros du stock, mais que ça soit plus une exhortation matinale. Puis je sais que moi, en tout cas, lorsque je l'ai préparé, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment béni, ça m'a vraiment encouragé. Puis en même temps, fracassé de voir à quel point que facilement je peux m'enorgueillir, facilement je peux juger les autres par leur péché, facilement je peux me voir plus grand que certaines personnes. Puis je suis vraiment sincère lorsque je demande à Dieu de briser cet orgueil-là, et je suis vraiment sincère lorsque je demande à Dieu qu'il brise cet orgueil-là en chacun d'entre nous. Et j'espère que cette prière-là vous a parlé aussi, et je vous encourage à scruter votre cœur, à scruter vos pensées, à vraiment vivre sous l'identification de Christ, de dire, ben, il n'y a rien que je peux ajouter à Christ. Mais Christ a tout accompli. C'est la seule personne parfaite. Je peux pas être une bonne personne parce que Jésus a été la bonne personne. Donc, vraiment, j'espère que ça vous a parlé ce matin. Avant qu'on se laisse, je veux vous encourager à prier pour notre frère Pierre Filion. Durant le week-end, une de ses maisons a passé au feu. Puis, pour vrai, c'est toujours un moment très triste de tout ça. Alors, toutes personnes qui étaient là sont en sécurité. Il n'y a personne de blessé, c'est toujours un moment comme désagréable. Puis, je pense qu'il attend présentement avec les assurances, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on prie, prier pour lui, que Dieu l'accompagne, que ce soit pas cette histoire-là ne puisse pas être un facteur de stress, d'angoisse, d'anxiété, mais qu'il puisse avoir la paix, que Dieu le soutient dans cette épreuve-là. Également, qu'on soit à prier pour nos mamans qui ont accouché. On a Andréane qui a accouché également. On a Esther qui a accouché.
Donc, on prie que vraiment ça puisse continuer à bien aller avec les enfants, puis que tout se passe bien avec les petits bébés, puis qu'il n'y ait pas de maladie ou de problème, quoi que ce soit, puis que tout se passe bien. Surtout avec le stress des hôpitaux présentement, c'est toujours pas le fun. Donc, continuons à prier. Et prier pour Vicky aussi, qui va accoucher très bientôt. Donc, Vicky, on prie pour toi, on prie que tout puisse bien aller, puis que également qu'on a hâte de voir la bête de cet enfant-là. Et dernièrement, on veut juste rendre gloire à Dieu aussi pour les prières. On avait Sébastien la semaine passée nous avait encouragé à prier pour Eva qui avait une opération à l'hôpital. Tout s'est bien déroulé, donc merci Seigneur pour ça. Puis Eva se porte bien, donc tant mieux. Et également, on a Sylvie qu'on avait prié pour elle qui avait attrapé le COVID. Présentement, tout est redevenu dans l'ordre. Dieu l'a gardé, puis même elle nous partage des chants souvent sur la communauté. Donc, merci Seigneur de les avoir gardés avec nous, puis que tout s'est bien passé. Donc, sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain. Ben, pas on, mais moi je ne serai pas là, mais ça va être avec Philippe à 7h, toujours 7h30 le matin. Donc, on se revoit demain. Ciao!